Ce vendredi, il se tiendra à Abidjan le tout premier conseil des ministres du Conseil international consultatif du Cajou, CICC. En prélude à ce rendez-vous, les experts se sont réunis ce jeudi pour réfléchir sur les projets de documents à soumettre à la validation de la session. Les deux entreprises lauréates du programme Ivoire Invest sont connues. Elles ont été récompensées à hauteur de 10 millions de francs CFA. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOPSI, répertorie les compétences en Côte d'Ivoire. 5 villes sont concernées par ce programme qui vise à renforcer la visibilité et la participation des femmes aux instances de décision. Vous suivez le journal des Business 24 Africa. Bonsoir à tous et à toutes. En prélude au tout premier conseil des ministres du Conseil international consultatif du Cajou, CICC, qui se tient ce vendredi à Abidjan, les experts se sont réunis ce jeudi pour se pencher sur les projets des documents à soumettre à la validation de la session des ministres issus d'une dizaine de pays africains. Jérémy Aouré, Lignon Gilbert. Prennent part à cette réunion du Conseil international consultatif du Cajou, CICC, une quarantaine d'experts, consultants et hauts fonctionnaires de 10 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Mozambique, le Sénégal et le Togo. Ils vont avec la partie ivoirienne examiner et passer au peigne fin les dossiers sur lesquels plancheront les ministres avec en prime l'opérationnalisation du CICC et du secrétariat exécutif. Clairement démontré que transformer localement l'ensemble de la production africaine d'anacarde, qui représente 1,5 million de tonnes, permettrait de créer plus d'un million d'emplois directs et plus de 3 millions d'emplois indirects dans divers domaines, les défis demeurent à relever avec la collaboration de tous les pays, d'où l'intérêt de la rencontre d'Abidjan. Il s'agit de stabiliser au cours de cette réunion le règlement intérieur du CICC, le plan triennal, le premier plan triennal du CICC, le mode de financement du CICC et des pistes pour donc le choix d'un secrétaire exécutif qui va donc animer cette structure, stabiliser les textes de base qui permettent donc aux ministres de les adopter demain dans une fluidité professionnelle et dans une fluidité de travail pour donc mettre en route cette organisation. Si l'anacarde reste un produit de plus en plus demandé sur les marchés mondiaux, en revanche, les variations annuelles des prix d'achat des noix de cajou font de ce produit agricole une source de revenus instable. Il faut donc relever tous les défis pour une meilleure rémunération. Le gouvernement ivoirien entend jouer sa partition en abritant ces rencontres. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire et c'est la confiance renouvelée des pays producteurs donc de cajou à l'endroit de notre pays. Donc la Côte d'Ivoire relève le défi donc, disons, de l'opérationnalisation de cette structure qui a été portée sur les fonds baptismaux à Abidjan en 2016. Donc nous devons féliciter le Conseil du coton et de l'anacarde pour ce travail important qui a abouti à cette mobilisation que nous constatons ce matin et qui augure d'excellents travaux. Le Conseil international consultatif de Cajou, qui a son siège à Abidjan, a été créé en novembre 2016. C'est une organisation internationale chargée de promouvoir le développement durable du Cajou dans le monde. Après plusieurs mois de travail, les deux entreprises lauréates du programme Ivoire Invest 2017 sont connues. Le programme qui consiste à aider les jeunes entreprises à se développer a permis aux deux lauréats de partir chacun avec un chèque d'une valeur de près de 10 millions de francs CFA. Marie-Josée Kouassi et son Rochelina. Les deux lauréats du programme Ivoire Invest 2017 sont connus. Les entreprises Gabéa et Alomiam ont séduit le jury par leur vision et leur capacité à créer de la richesse. Le financement alternatif répond à la question des banques qui ne nous aident pas pour nos besoins en fonds de roulement, pour nos besoins en investissement. Donc on a suivi EIC Corporation, on a vu qu'il y avait des opportunités derrière. Si on présentait un dossier solide, un business plan solide, si on avait une entreprise qui fonctionnait correctement avec des chiffres d'affaires et des états correctement faits, on pouvait avoir un financement. C'est ce qu'on a fait. Grâce à Dieu,
les choses sont passées correctement, on a pitché et puis bon, on a été les premiers. À chaud, c'est que des impressions de joie, de gaieté. Maintenant, il faut, comme l'a dit le doyen, faire fructifier cet argent que nous avons reçu. Deux critères, mais des critères non financiers. Le premier critère que nous avons regardé était d'abord leur personnalité, leur vision, leur capacité en fait à créer de la valeur et de la richesse. Donc il y a eu un travail qui a été fait sur les personnalités, premièrement, parce qu'elles n'avaient pas forcément des choses à montrer parlant du patrimoine. Voilà, donc c'était la première valeur, regarder. La seconde valeur, c'était maintenant de regarder un peu ce qu'elles ont dans leur business. Donc nous avons réalisé l'audit, la due diligence stratégique qui nous a permis de voir un peu le management, de voir un peu l'organisation de l'entreprise, de voir un peu la structuration des offres de produits. Et de tout ça, nous avons aussi fait des visites terrain pour voir concrètement ce qu'elles font exactement, comment est-ce qu'elles vendent les services et tout ça. Donc c'est au sus de toute cette approche que nous avons donc décidé donc de d'investir en elles. Initié par le club d'investissement EIC Corporation, ce programme consiste à aider les jeunes entreprises à se développer. À travers cet investissement, EIC Corporation s'engage à accompagner les entreprises sur une longue période. Et aujourd'hui, en investissant dans ces entreprises, mais c'est un partenariat que nous établissons avec elles sur 5 ans. Voilà. Donc en 5 années, nous allons travailler à assainir le management puisque nous allons leur apporter l'appui sur le plan fiscal, le plan comptable, le plan management et tout ça. Dans la dynamique de toujours aller de l'avant, le président directeur général de EIC Corporation a présenté ses perspectives qui sont principalement basées sur le développement des clubs d'investissement dans plusieurs autres pays africains. Alors nous sommes dans le dernier trimestre de l'année. Dans 2 mois, nous aurons notre convention annuelle, qui est notre rencontre législative où nous lisons notre bilan annuel de 2017. Et en termes de perspective, nous allons continuer la progression de nos clubs d'investissement parce que ça reste quand même le fond de notre organisation. On est plus connu sur ce label club d'investissement. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à peu près 160 clubs d'investissement pour 12 pays impactés. Nous souhaitons étendre cette dynamique sur le continent africain l'année prochaine, pourquoi pas 10 nouveaux pays dans notre dispositif et atteindre le cap critique de 1000 clubs d'investissement d'ici 2020. EIC Corporation est une structure de financement alternatif et membre de la Fédération internationale d'investisseurs pour le compte de la Côte d'Ivoire. EIC Corporation œuvre pour la vulgarisation de la richesse inclusive en Afrique. Parlons à présent de promotion de la femme. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOPSI, a lancé une campagne pour répertorier les femmes compétentes de Côte d'Ivoire. Cette activité, qui s'inscrit dans un sous-programme de déploiement national, vise entre autres le renforcement de la visibilité et la participation de la femme aux instances de décision. 5 villes parmi lesquelles Bouaké, Korogo et Daloa sont concernées par ce sous-programme. Mon désir, Nascimento Oyefini et Prosper Kossa. Cinq années après sa mise en œuvre à Abidjan, la capitale ivoirienne, le COCOFSI, Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, s'étendra aux autres villes de Côte d'Ivoire. Ce jeudi, le sous-programme dénommé Déploiement national a été lancé. Un sous-programme qui permettra de renforcer d'une part la visibilité du genre, appuyer la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires de la cité pour en faire des modèles de développement d'autre part. Nous voulons aller dans les régions de la Côte d'Ivoire, identifier les femmes les meilleures, les accompagner dans leur vision pour faire de ces femmes des modèles de réussite. Des championnes du développement. Parce que nous pensons que les femmes contribuent au développement, mais il faut pouvoir les identifier, les valoriser, les accompagner pour qu'elles puissent servir de modèle aux autres. Nous avons décidé de faire un modèle économique basé sur la compétence. Sont concernées par le projet les femmes cadres de haut niveau, de niveau moyen et de toutes celles qui excellent dans leur domaine d'activité. Les critères, nous avons dit une femme qui excelle dans son domaine d'activité, qu'elle soit alphabétisée ou pas. Une femme qui est reconnue
par sa communauté comme excellente, parce qu'elle n'a pas de CV. Une femme qui est prête à partager son expérience avec les autres. Une femme qui a contribué à la consolidation de la paix. Grâce au COCOFSI, nombreuses sont les femmes qui ont vu leurs compétences valorisées. Elles entendent prendre part à d'autres séminaires à l'intérieur du pays. Moi, je dis que c'est très, très bienvenu. C'est très bienvenu dans la mesure où la femme, elle est courageuse. Elle a peut-être le talent, mais il lui manque un financement pour exercer dans son activité. Là, elle nous dit qu'il y a des personnes pour nous accompagner. Et dans le temps, on disait « sois belle et tais-toi ». Aujourd'hui, on nous donne l'occasion de nous exprimer véritablement, de partager nos idées. Et ça, on y va. Encore toujours, le moment est favorable. Avec le parcours que j'ai fait avec le compendium, je profite et j'ai profité de formation. Parce que seul, on ne peut pas aller loin. Depuis 2011, le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, identifie les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice. Bouaké, Bondoukou, Korogo, Daloa et Jacquesville seront les prochaines villes qui seront investies par le COCOFSI. Le Palais de la Culture à Abidjan a célébré ce jeudi 28 septembre 2017 la quatrième édition de la Journée de la retraite active qui se tient en prélude de la Journée internationale des personnes âgées célébrée tous les 1er octobre dans le monde entier. Cette initiative du Fonds international de développement de la retraite active, FITRA, vise à montrer à tous que la retraite n'est pas une fin en soi, mais une réorientation. Marie-Josée Kouassi, le reportage. Les retraités actifs ont répondu présents lors de la quatrième édition de la Journée de la retraite active, initiée par le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. Cette journée dédiée aux retraités a pour but de valoriser l'image de ceux-ci et de démontrer à l'opinion publique que la retraite n'est pas synonyme de fin de vie, mais plutôt une vie orientée vers un nouveau projet de vie. À travers la célébration de la journée de la retraite active, nous voulons montrer à l'opinion publique que les retraités ont encore une riche expérience, des connaissances qu'ils peuvent mettre au service de la communauté et de la nation. Nous voulons dire qu'à la retraite, la vie ne s'arrête pas là. À la retraite, la vie continue. À la retraite, on change seulement de statut. Il faut se réorienter, avoir un nouveau projet de vie. La présidente directrice générale du FIDRA a profité pour présenter les perspectives de son institution financière qui va bientôt s'étendre sur tout le territoire ivoirien. D'abord, le FIDRA va étendre son réseau sur toute l'étendue du territoire, développer de nouveaux produits financiers et non financiers pour permettre l'inclusion financière de cette frange de la population. Le ministre ivoirien des Finances, Amadou Koné, parrain de la quatrième édition de la Journée de la retraite active, a par la voix de son directeur de cabinet félicité le FIDRA pour son engagement à œuvrer à la promotion de la retraite active. Il a souligné que le ministère des Finances est disposé à toujours accompagner le FIDRA. Le ministère de l'Économie et des Finances, dans son rôle d'autorité en charge du suivi de la réglementation et de la surveillance des systèmes financiers décentralisés, continuera à vous apporter le soutien nécessaire à la vitalité et à la bonne santé financière du FIDRA. À vous, chers parents retraités, votre présence à cette journée de la retraite active démontre avec éloquence que la retraite n'est pas une fin de vie, mais plutôt une nouvelle vie pleine d'enthousiasme. Que votre modèle de vie contribue à inspirer et encourager les retraités à une préparation efficiente de la retraite. Visiblement heureux de participer à cette quatrième édition de la Journée de la retraite active et du FIDRA, les retraités n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Cette journée est bienvenue parce que les retraités, nous sommes stressés. Le pays, avec tout ce qui s'est passé, nous avons le stress. Et quand il y a une journée, on se défoule, on se déstresse. Et c'est vraiment bienvenu. Et je veux que ce FIDRA grandisse, qu'il existe tout le temps. Parce que ça sauve beaucoup. J'étais d'abord à la banque et ensuite j'ai transféré mon compte à FIDRA. Mais les prestations que j'ai commencé à recevoir à FIDRA
m'ont tellement plu que j'ai attiré même certains camarades, des collègues qui étaient encore dans l'attente pour venir à Fidra à leur retraite. C'est une bonne institution. L'innovation de l'édition précédente, l'université du troisième âge, a été mise en place. Elle permet aux personnes concernées de se retrouver et d'échanger sur diverses thématiques. C'est une université d'échange d'idées avec des spécialistes qui vont communiquer ce qu'ils savent à ceux qui sont en face d'eux. Les conditions d'accès, il suffit d'être du troisième âge. Le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, est une institution financière qui œuvre à la promotion de la retraite active. Le FIDRA met à la disposition de sa cible des produits financiers de prêt, d'épargne et bien d'autres. Belle ambiance avec les retraités de Côte d'Ivoire. Et terminons ce journal avec cette information. L'île Maurice, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Tchad, le Mozambique, le Maroc, l'Algérie, la Namibie, la Tunisie et l'Égypte sont les 10 pays africains aux économies les plus compétitives au monde. Selon le Forum économique mondial qui vient de publier l'édition 2017-2018 de son rapport global annuel sur la compétitivité. De plusieurs enquêtes réalisées auprès de 14 000 chefs d'entreprise portant sur une centaine d'indicateurs répartis en 12 piliers. Le document a évalué cette année 137 pays. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. J'étais très ravi de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve vendredi 21h pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne de l'économie.